Votre horoscope, c'est tous les matins sur Tendance Ouest. Tendance Ouest. Retrouvez l'horoscope de Camille à 6h25, 7h25 et 8h25. Bonjour à tous, on commence notre horoscope du dimanche 12 avril par les béliers. Vous voici dans une atmosphère positive aujourd'hui. L'amour se colore de fraternité, ce qui vous aidera à planir des différends. Taureau, cette journée sera calme. Profitez-en pour réfléchir à ce que vous souhaiteriez vivre en tirant des conclusions de vos histoires d'amour passées. Gémeaux, c'est le moment de repartir à zéro sur une nouvelle base avec votre partenaire ou de tourner résolument la page sur d'autres horizons. Cancer, des joies en tout genre viennent se mêler à votre vie quotidienne. Ils vous permettront de renouer pleinement avec la vie au sens large. Lion, une fatigue générale se fait sentir. Vous avez besoin de plonger pleinement dans vos loisirs, de faire une vraie coupure. Vierge, des calories peuvent s'installer suite à des excès et un déséquilibre alimentaire. Une alimentation plus équilibrée est la bienvenue. Balance, vous êtes attentif à ce que l'on vous confie. Les échanges avec des parents sont nécessaires pour faire éclater les non-dits qui règnent dans la famille. Scorpion, méfiez-vous des apparences. Une relation que vous connaissez peu paraîtra sympathique alors qu'elle sera mal intentionnée et vous induira en erreur. Sagittaire, vous pourrez tout oser, tout vous permettre, ce sera la passion. Exprimez vos attentes de manière très directe, vous ne serez pas déçu. Capricorne, votre tonus sera envié, mais vous ne pourrez pas aider tout le monde, même si vous ne demandez que ça. Verseau, vous serez en forme, mais vous aurez un grand besoin de décompresser. Faites du sport et évitez les excès qui vous fatigueront. Et enfin les poissons, des moments en famille peuvent tourner en une incompréhension générale. N'insistez pas, restez sur des sujets légers et toujours avec votre sens de l'humour. Je vous souhaite un bon dimanche. Consultez également votre horoscope à tout moment de la journée sur tendanceouest.com. Podcast by Tendance Ouest.